Ah là. Ding. Ah, oh, c'est encore toi. Oui, mais c'est celui-là. Non, c'est Canigou. Ah non, regarde, il a bougé. Canigou, dis-moi, Canigou, la nourriture pour chien, c'est celui que je déteste le plus. Ah ouais, c'est horrible. Je tire ma carte en attendant. Enroule-toi le visage avec du papier toilette pour ressembler à une momie. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, yeah, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Fais un massage de pied à l'un des joueurs durant une minute. Je préfère prendre ça parce que franchement, t'as trop souffert, mon pauvre. Ah là là, ça va être bien. Tu sens même pas des pieds. Salut à tous! Alors, aujourd'hui, on joue à un jeu de société qu'on adore, qui s'appelle Tourne-main. Tourne-main, exactement. Vous avez été très très nombreux à voir notre première vidéo avec Fantin, et on s'était vraiment bien amusés. Yes! C'est papa! Ah, c'est pas moi, là! Si, c'est toi. Oh, regarde! Ah. Danse! Sans musique pendant une minute. Ah d'accord. C'est facile, ça. Ça, je peux faire. Ouais. Attends. Alors aujourd'hui, une petite version un peu particulière qu'on a adaptée. On a rajouté quelque chose. Les Bean Bozzled. Les Bean Bozzled. Alors bon, on a changé les règles. Un truc un peu plus drôle, on le fait entre nous. On va disposer des Bean Bozzled là autour de la main. L'idée est simple. On va appuyer chacun son tour. La main va tourner et va désigner celui qui va devoir jouer et celui aussi qui va attraper un Bean Bozzled pour le manger. Alors, elle aura une chance sur deux que ce soit un bon ou un mauvais. Et ensuite, donc, il y a l'histoire de la carte. Oui, alors, c'est-à-dire que celui qui perd, bah, il mange son Bean Bozzled. Celui qui gagne, eh ben, il choisit son défi crazy. Oui, alors, en fait, tu veux dire, celui qui est désigné par le doigt, il prend le Bean Bozzled désigné. Voilà, et celui et qui n'est pas désigné, prend la carte. Qui a donc, par effet de collatéralité, voilà, n'importe quoi, il gagne le droit de choisir son défi crazy. C'est-à-dire que par là, exemple. C'est action, vérité, gage, par exemple... Faire un grand sourire figé jusqu'à ton prochain tour. Ouais, ça, c'est assez rigolo. Ça veut dire que tu parles pas pendant ça. Voilà. Mais nous, on aime bien les défis crazy, c'est notre truc. Donc, c'est ça, on considère qu'on a gagné quand on prend la carte. Oh, c'est cool. Bon, alors, je dispose les Jelly Bean Bozzled. Vous voyez, il n'y a pas de triche, hein, ils sont là. Ouais, pas de triche. Alors, on va en répartir. Oh, alors, le centre de... Ah, il y a une odeur déjà, toi. Ah, c'est l'horreur, ce truc-là, franchement. Donc, là, on va faire, tu vois, la caméra, en fait, ça va être, hop, l'axe de notre main. Ouais. Ça, ce sera ton côté, ouais. Et ça, ce sera le mien. D'accord. D'accord. Okay. Donc, à partir du moment où, paf, ce sera ton côté et ça, le mien. Alors, bon, tu peux en disposer, non, on va en disposer autant, il faut faire autant. Alors, nous avons installé nos Bean Bozzled sur la table de façon simple et relativement équivalente. Oui, on a réparti, on a le même nombre et on a fait des petits tas de couleurs. C'est exactement, voilà, c'est assez clair comme ça. Donc, du coup, quand ça tombe sur la moitié, c'est pour moi et l'autre moitié, c'est Alexandre. Voilà. On y va aussi. Sachant que, justement, pour ceux qui sont à l'opposé, par exemple, ça, c'est mon tas à moi, celui qui est devant là, et celui qui est derrière. Symétriquement forcément. À l'opposé et le petit A de Mélanie. Petit A, c'est un. Voilà, c'est donc un. Si ça tombe ici, c'est pour moi. Si ça tombe là, c'est pour toi. Exactement. Voilà, voilà. Bon, on est prêt, honneur aux dames. Ouais. Non, on va tirer à pile ou face parce que je sais pas dans quel. Non, mais je sais pas dans quel sens il tourne. Non, mais c'est pour te laisser une chance de pas commencer d'accord, tout de suite okay, avec un. Okay. Non, on va faire quoi, Shifumi. Ah, Shifumi. Ouais, Shifumi. 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 Crac. C'est moi qui commence. Donc, c'est moi qui décide si je commence ou si tu commences. Tu commences. On y va. C'est vous parti. Êtes prêts. Vous êtes prêts. Attention. Le stress, le suspens. Elle se rapproche inexorablement du petit tas. Ah. Ah. Non. Mais. Fallait t'arrêter avant. Ouais. C'est là, hein. C'est le vert. Ouais, c'est le vert. Alors, le vert, j'en ai deux, le choix entre deux. Alors, toi, ça peut être gazon tondu ou citron. Ou citron.
Bon, moi, je prends la carte. C'est gazon tondu. Moi, je prends la carte défi, délire. C'est gazon tondu, mais... Ça va. Gazon tondu, ça va, on sait. Maintenant, on est devenus des pros du Jelly Belly. Ça pique un peu, en fait. Gazon tondu, on sait que c'est bon. Alors, moi, je vais choisir mon défi crazy. C'est... Ouais. Ah, juste un rappel, c'est vrai que dans la règle, normalement, c'est celui qui est désigné qui fait le défi. Ouais, mais là, justement, pour s'amuser un peu... On customise-nous les règles. Alors, bah, comme vous, vous le faites aussi chez vous, hein, vous aimez bien. Et c'est toujours sympa de trouver d'autres idées de jeu. Alors, imite le cri du cochon toutes les 30 secondes jusqu'à ton prochain tour. Ah. J'adore l'idée. Allez, on y va. À moi, pendant que tu fais ça, moi je lance la main. C'est parti. C'est 30 secondes. Allez, t'as bon. Ça va retomber sur moi là. Ah non. Ah bah voilà, moi. C'est toi cette fois. Donc t'as le droit de prendre un de tes bonbons favoris. Alors moi c'est brosse à dents ou enfin pas brosse à dents mais dentifrice ou berry, c'est quoi berry déjà, c'est baie d'azur. Alors non, c'est pas baie d'azur, c'est dentifrice. Ça va, dentifrice, c'est ouais bien, mais bon, c'est un peu pénible. Alors moi j'ai gagné une carte joker. Ouais. Non, on joue pas avec la carte joker aujourd'hui. On joue pas avec la carte joker. C'est pour le plaisir du défi. C'est pour les plaisirs. Alors j'ai mélangé parce qu'elles sont toutes. Bah non, tiens, je prends celle-ci, c'est quoi? Parle en chantant ta voix. Ah! Parle en changeant ta voix pendant une minute. Quel est le plus gros défaut du joueur à ta droite? Égoïste! Ça, c'est comme Bernard, c'est dans les bronzés. Quel est le principal défaut? Mais non, à ski! Non, c'est vérité en fait. Alors action ou vérité? Toutes les 30 secondes. Et ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Peux-tu changer ta voix pendant une minute? Je vais changer ma voix pendant une minute. Oui, alors Mélanie, c'est ta voix de jouer. Je pense que oui, alors qu'est-ce que tu attends pour appuyer? Bon, donc à qui le tour? Est-ce que c'est moi qui vais tomber sur la Julie Bean Bowser? Sur quelle Julie Bean Bowser je vais tomber? Oh là 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 là, vite, il faut qu'elle fasse un tour encore plus que ça, parce que là, c'est pas possible. Alors, va-t-elle me désigner ou va-t-elle tomber sur Mélanie? Oui, sur Mélanie! Oui, j'ai même pas senti que c'est tombé, ça va tomber sur toi! Surtout que là, c'est quoi ça? C'est couche de bébé? Oh non, ça c'est horrible! Sache pas que c'est couche de bébé, je sais pas! Pourri! Popcorn ou pourri? Oh, je te souhaite bon courage! Ça, j'aime pas du tout! Et ben voilà, je crois que j'ai épuisé ma minute! Donc c'est bon, je peux me libérer. On va faire, on a dit qu'on allait... Popcorn. Ça va. C'est tenable. Alors moi, donc, action, fais semblant d'être un dompteur de lion avec le joueur à ta droite. Jouant le rôle du lion. Ah bon, faut que je joue le rôle du lion? Non, mon joueur à la droite. Ah oui. On va faire le joueur à la gauche alors, parce qu'il n'y en a pas de joueur à la droite. Ma droite, il est revenu comme ça. Donc attention, c'est toi le lion. Hey. Lève la patte. C'est pas ce lion. C'est quoi, ça fait quoi? Non, le lion, c'est... Prends Jelly Belly, le lion. Bon, voilà. Allez, ok, bon, bah, c'est à qui? C'est à moi. C'est à moi de partir. On a combien, là, déjà? Bah, toi, t'en as 2-1. Ouais. Bah, j'ai bien aimé ce coup du... Ouais, sympa. Retour à l'envoyeur. Là, normalement, ça devrait tomber sur moi. Ah. Hé, c'est toi! C'est moi. Bon, alors toi... C'est quoi, cela? Cela, c'est... C'est... Je sais plus. Crotte de nez ou jus de poire. Mais c'est pas jus de poire. C'est crotte de nez. C'est pas jus de poire. C'est horrible. Hein, elles sont moins bonnes que les nôtres, hein, quand même. Hein, tu sais. Ok. Tu vois comment ils ont analysé le goût d'une crotte de nez, quoi, pour faire genre de bonbons. C'est vrai, franchement. Ils ont peut-être dû faire une sélection entre les... Non, mais attends, déjà, il faut le trouver, ça, parce qu'il faut déjà goûter les siennes avant de faire un arôme... Quel enfant n'a pas goûté ses crottes de nez? Non, ça, c'est sûr.
Mais après, ce sont pas des enfants qui ont fait ça. Non, mais ils ont dû sélectionner parmi les employés, ils ont dû faire des tests, chacun a mis des petites bouquettes de données partout, ils ont goûté, ils ont fait des votes. C'est ça, on devrait faire, tu sais quoi, on devrait faire une dégustation de crottes de nez. Ah oui, oui, ça va être avec Fantin et Amandine, avec des notes. Non. Bon, allez, on fera pas ça. On est fous dans notre tête, mais on fera pas ça. Alors, attention, danse un slow durant une minute avec l'un des autres joueurs. Alors, comme je n'ai pas le choix, je vais danser le slow avec toi. Ça me rappelle les bons moments, hein? Lesquels? Bon, je sais pas si on l'a tenu une minute, mais quand même, c'est pas mal. On a moins fait, allez, on a moins fait 10 secondes. Au moins 30 secondes. Ouais, pas mal quand même. Alors. Bah, c'est à toi d'appuyer. C'est à moi. Je sais pas à combien on en est. Parce que là, on fait, on s'amuse comme des fous, mais c'est à ce moment, on va faire 20 manches, hein? Deux. Il fallait plus vite. Alors, sur quoi tu vas tomber? C'est toi, tu vas tomber sur quelque chose, c'est sur Camigou. Oh là, il est en train de répartir, bébé. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Eh ben, c'est l'horreur, je crois. Parce que c'est ça, c'est vomi. Ah non, ça vomi, ça, je peux si, pas. Si, c'est bien vomi pour ah toi. Ah non, c'est vomi. Attends, non. Ah non, erreur. C'est pas vomi, c'est chaussettes puantes ou tutti frutti. Ah bon, voilà, écoute, chaussettes puantes ou tutti frutti, c'est bien ça. C'est vrai que c'est diamétralement opposé, hein. Moi, personnellement, j'ai jamais mangé de chaussettes puantes. Tutti frutti. Tutti frutti, oh, t'as la chance. Allez, zou, fais ding. Alors, gars, je fais ding toutes les 30 secondes jusqu'à ton prochain tour. Mais en fait, mon prochain tour, c'est maintenant. Mais je vais faire ding quand même pendant mon prochain tour. Ouais, histoire d'échanger. C'est à moi, là. Ding. Ding. Je me disais. 30 secondes. Ah, hein. Ding. Ah, oh, c'est encore toi. Oui, mais c'est celui-là. Non, c'est Camigou. Ah non, il a pas bougé. Camigou pour chien. Camigou, la nourriture pour chien, c'est celui que je déteste le plus. Ah ouais, c'est horrible ça. C'est une véritable horreur. Ça, c'est horrible. C'est surtout très bien imité. On voit pas très bien la différence entre le chocolat et la nourriture pour chien. En fait, l'un et l'autre, parce que c'est pudding au chocolat, c'est juste horrible, l'un et l'autre, en fin de compte. Parce qu'il y en a, on met du temps avant de voir si c'est vraiment... Ah non, c'est Camigou, ça. Regarde ça, dis-moi que c'est... Ah, c'est horrible. Ah, c'est affreux, ce c'est truc. Qui... C'est assez affreux. Ça, Fantin aussi, c'est celui qui déteste le plus, c'est celui-là. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Allez. Celui-là, il est horrible. Tu tires ta carte, vas-y. Ouais, faut manger le très vite possible. Faut que le goût, hein. Alors... Ah. Tiens ton oreille gauche avec la main droite et ton oreille droite avec la main gauche jusqu'à la fin du prochain. Alors attends, tiens ton oreille gauche avec la main droite et tiens jusqu'à la fin du prochain tour. Ah, faut que t'appuies. Oui, désolé, excusez-moi. Alexandre, il a... Un petit malaise, monsieur Barthez. Petit malaise. Oh, bah c'est moi. Et moi, c'est... Oh, bah moi, c'est bien parce non, que moi, c'est... Pas bon. Moi, c'est au pire, c'est un truc de dentifrice. Ah! Mais quelle horreur! Mais quelle idée de faire des trucs pareils! Mais vas-y! Arrête, hein, c'est horrible! Je tire ma carte en attendant! Enroule-toi le visage avec du papier toilette pour ressembler à une momie! Mais je vais chercher le papier c'est toilette! C'est pas mal, hein? Je vais le chercher! Ok, alors! Ce sera une momie! Une momie rose, une momie rose. Une momie pour les filles. Ça fait un peu Touareg hein, quand même. Ça fait plus Touareg que momie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, on a fait 3 chacun, non, de toute façon. Ouais, bon. Donc c'est à toi, 4. Allez, bon. C'est pas grave. Parce que même si on s'est trompé, vous nous le direz en commentaire. Ouais, on a peut-être dit, on a oublié. Bah, j'ai pas laissé d'espace pour la mouche. Ah ouais, ça c'est dommage. Je peux plus gagner des. Ah, la momie, elle peut pas manger ça. Attends.
Alors, chante au clair de la lune dans le style utilisé par les rappeurs. Au clair de la lune, yeah, yeah, mon ami Pierrot, yeah, yeah, prête-moi ta plume, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Au clair de la lune, attends, je vais refaire. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, yeah, prête-moi ta plume pour écrire un mot, yeah, yeah, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, yeah, yeah, ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ouais, ouais. Elle est pas mal. En attendant, c'est tombé là. C'est qu'est-ce qui est tombé? En fait, il avait désigné pendant le tour celui-ci, après il a dit... Donc c'est celui-ci. Ah non, ça c'est chaussettes pourries puisqu'il n'y en avait que deux. Ah ouais, bah c'est pas ça, mais pas forcément, hein. ils peuvent être de mon côté. Ils peuvent être de mon côté. Hein. Ah non, eh oui. Tutti frutti. Ça se trouve, c'est moi qui les ai. Les... Ah, tutti frutti. À toi d'appuyer, je crois que c'est le dernier coup en fait. Je pense qu'on est sur le dernier coup pour toi et le dernier coup pour moi. Alors. C'est pas évident d'un œil, hein. Ouf, j'ai cru que j'allais tomber sur Canigou. Voilà, hé. Ah. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est entre les deux, mais là, ça, c'est toi. On relance. Non, c'est... Ah, ça sent tutti frutti, hein. C'est quoi, ceux-là? Je me demande, c'est ceux-là, c'est les trucs un peu... Non, mais ça, on avait dit quand c'était en l'air, quand c'était toi. Ouais, c'est moi. Vomi, pêche. Ah. Oh non, j'ai déjà mangé le Canigou, Mais un caillou, hein. Vomi. C'est horrible de comment dire, de se réjouir du malheur des autres, mais franchement... Quand j'ai appuyé, c'est à moi. Allez, tiens, attends, t'as mis ta carte. Vite, dépêche-moi. Attends. Faut que je boive de l'eau. Attends, c'est horrible. Faut que je boive de l'eau. Oh, regarde, ça, c'est sympa. Fais un massage de pied à l'un des joueurs durant une minute. Je préfère prendre ça parce que franchement, t'as trop souffert, mon beau. Allez, donne-moi ton beau pied. Ah, mon pied beau. Ah. Ah, comme t'es souple, tu vas le mettre sur la table, comme ça sera plus pratique pour moi. Voilà. Ouh. Voilà. Oh là là. Il est bien, hein. Tu sens même pas des pieds. Bah non. Alors mais... ça, c'est génial, ça. Ouais, chaussette. Ah non, rien. Pas une odeur. T'as mangé une chaussette pourrie, mais attends. Pas une odeur. Et là, tu sens le canigou. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Eh ben, il y a encore un coup, puis après, c'est bon, non? C'est qui? C'est à moi, le coup? Ouais, je sais plus. Je sais plus. Bon, allez, dernier coup. On s'amuse. Dernier coup. Ah, j'ai tout. Ah! Ah! Tu vas marcher. Ah! Tu vas. Ah! Allez, quand il va se faire. C'est comme ça qu'ils font dans les. Ah! Regarde, c'est comme ça qu'ils font dans les instituts de massage, mais oui! Ah non! Ah bah oui! Ah non! Vomi! Une deuxième pastille de vomi! Ah non, j'ai même pas fini celle-ci là! Après. Ah! L'horreur! Allez, dernier coup, c'est vrai. C'est pas possible. Manque de chance. Ah, t'as eu de la chance sur ce coup-là, hein? Alors. Sinon, il y a... Ah y a... Attends, il y a... Y a... ah ma momie. Mais ça va? Ah. Ouais, mais on va terminer par une vérité. As-tu déjà mangé tes crottes de nez? Ah. Eh bien, ça va casser un mythe aujourd'hui. Ça va vraiment casser un mythe. Oui, j'ai déjà mangé mes crottes de nez. Parce qu'il y avait les vérités aussi qu'on n'a pas faites. Hein. Voilà. Donc oui, j'ai déjà mangé mes crottes de nez. Bon, et moi j'ai envie d'en faire une dernière parce que j'arrête pas de la regarder là, ça se non, ça non, génial. Ça va très bien. Laisse-toi chatouiller sans rire pendant 30 secondes. Ouais, mais ça je suis imbattable, on a déjà fait le chatouiller. Alors vas-y, fais-le sans moi, parce que moi je suis pas imbattable. Ah voilà. Non, j'ai pas rigolé, j'ai crié. Arrête! Ouais! Ouh. Ok! Bon, allez, hop, allez, je retiens ma momie quand même! En fait, c'est vraiment les trucs qui sont les plus drôles. La main, c'est excellent! Et les Jelly Belly, c'était très bien! Ça donne du relief! Alors voilà, vous, si vous avez ce jeu chez vous, vous pouvez l'adapter comme ça. C'est super drôle! C'est super marrant! Et bien, on va garder nos autres Jelly Belly pour d'autres paris! Exactement! Et on vous fait de gros bisous! Abonnez-vous, partagez! Ciao, ciao! Pouce bleu, laissez-nous un petit commentaire, on y répond! Et n'hésitez pas à aller voir notre précédent vidéo sur ce jeu de société. Ouais, qui était vraiment bien drôle aussi. Hein. Allez, ciao!